Salut tout le monde, c'est Seth et comment allez-vous? Moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour faire des petits jeux rageants parce que j'avais envie de me prendre la tête alors que c'était une journée qui était censée être super sympa parce que j'ai pas de devoirs et tout, c'est cool. Yeah! Et voilà, et moi je me suis dit je vais péter des câbles sur des jeux rageants et on se retrouve tout de suite sur Hexagone. C'est parti! Donc Hexagone c'est un jeu dont le but est de faire passer un point à travers. Voilà. Une explication qui est plutôt super bien faite. Voilà, c'est parti. Donc il faut c'est pas parti, non, n'importe quoi. Il faut appuyer sur ah, ok, c'est comme ça. Et je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être. C'est parti. Ah, ok, c'est avec les flèches. Vachement sympa. Oh. Hein, voilà, c'est le début. On va dire que c'est normal. Oh, je suis un bonhomme. Ah ouais! En fait, je suis bon. Level 2. Le level 2, très très différent du level 1, hein, il faut le dire. Ah ouais! D'accord. Il y a carrément des bouts. En plus, c'est bien connu, moi je suis pas un mec qui rage. Je pense que ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils le savent. Surtout ma copine, hein. Elle doit savoir que je suis pas un rageux. D'ailleurs, elle doit regarder la vidéo à cette heure, là, donc dis-le que je suis pas un rageux, s'il te plaît. En fait, vous avez un temps, et là, il faut tenir 20 secondes, en fait. Dès que j'ai tenu plus de 20 secondes, je passe au level 3. Je sais pas si vous avez compris, si vous êtes bilingue, ou si vous arrivez à lire ou pas. Mais en tout cas, voilà, je vous explique. Et le but, il faut faire le plus de temps possible, voilà. Hop. Ah ouais, non. Non, non, en fait, c'est mon doigt. Des fois, j'ai des bugs. C'est mon doigt. Des fois, je suis obligé de faire comme ça. Et du coup, ça va aller toucher la touche. Alors, j'ai pas envie que ça la touche. Ça fait beaucoup de touches. Ouh, c'était limite. Ouh, c'était limite encore une fois. Ouh, c'était limite. Ouh, j'ai voulu faire un 3-6. Ah non, là, ça va tout casser. Fais attention quand même. Ça va essayer de battre les couilles. Oh, ça serait bien que ce soit comme ça. T'as juste à cliquer comme ça. Tu cliques un petit peu. Oh, c'est bon. Oh, ça tourne vite là. Boum! Je m'en bats les couilles, je suis au next level! Mais non. Je suis pas au next level. Mais non. C'est un truc qui s'affichait à l'écran, genre ouais, t'as gagné et tout. Mais en fait, c'était juste un nouveau record. Voilà, il me restait 2, peut-être 3 secondes. Et j'étais au niveau 3. Et moi j'ai arrêté de jouer, je me disais c'est bon, je m'en fous, de toute façon j'ai passé le niveau. Et en fait, pas du tout. C'est une très bonne sensation que j'ai là. La sensation de la mort. Je sais pas si vous connaissez, vous avez la mort. Et du coup, voilà, c'est super sympa. On va changer de jeu. Allez, on passe à un autre jeu. C'est parti. Allez, envoie-toi. Envoie-toi de mon écran. Unfair Mario, assez connu dans le jargon du jeu vidéo, et ben c'est parti. Moi je vais vraiment finir par le casser ce truc. Hein. Et bien c'est parti. Donc il faut use de euros pour ceux qui sont très forts en anglais. Qu'en gros il faut pas faire comme moi. En gros c'est ça. C'est parti. Déjà si je n'appuie pas sur la bonne touche pour sauter, ça va pas le faire. Ok, donc là. J'aime bien. Tout est normal. Bah ouais. Oui, je suis d'accord. Oh. Allez, là c'est bon. Pass this block underneath. L'islam. Donc là, comme ceci, comme ceci. Là, comme ceci. Comme... Mais non! En fait, les mecs qui ont fait ce jeu, ils sont trop forts, quoi. Ils se sont dit, allez, c'est bon, nous, on va tuer nos joueurs. On va faire un jeu qui va être joué pour une vidéo. En fait, c'est ça qu'ils se sont dit, les gars. J'oublie qu'il faut pas sauter avec espace. Voilà, il faut sauter avec la flèche du haut. C'est totalement logique dans un jeu. Il faut sauter avec la flèche du haut. On saute partout avec la flèche du haut.
Excellent. En fait, va tomber sur le deuxième bar comme ça, parce que sinon t'as des pics en fait. Et du coup, ça j'ai pas. Enfin, j'y ai pensé et j'ai trop pensé en fait. Ok. Ok. Oh my god! Oh my god! Checkpoint! Checkpoint! C'était étonnant, Pierre. T'es comme les autres, toi. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Oh, je t'avais oublié. Voilà. Voilà, pas de mentir. Ouh, oui, c'est vrai. Du coup, quand tu reviens là, bah, t'as lui. Là. Ouh, toi, je t'ai ken. Oh, non. Ça c'était le truc évidemment sur une ligne droite. Bah non, il peut pas y avoir de ligne droite, c'est pas possible. Y a pas de ligne droite dans une Farm Mario. Tu peux pas avoir une ligne droite au KLM où tu auras rien que des pâquerettes, des choses bien, de la vie avec des pics et des trous. Ah, le dernier, le putain de dernier. Mais non, je viens de faire le truc. Je viens. En fait, t'es tellement préoccupé par le putain de truc qui roule avec ces pics là que du coup tu penses pas. Oh, 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 je l'ai arrivé. Je l'ai arrivé. Moi, j'arrive, je tombe dans le trou. Tant que je passe pas ce putain de niveau, je n'arrête pas la vidéo. Voilà. Donc d'ici demain 14h, la vidéo ne sera pas terminée. Merci, au revoir. Et là, tu fais quoi? Et là, à ce moment-là, tu stresses parce que tu sais qu'il y a un trou et du coup, t'as pas envie de tomber dans le trou. Du coup, tu sautes, mais vu que tu sautes comme un bâtard, t'as envie de retourner en arrière pour pas tomber dans le trou très voyant qui est juste derrière. Et du coup, tu fais et non, tu tombes quand même. On va pas faire un jeu simple. On va jamais faire gagner le pélo. Le pélo, il va jamais gagner. Voilà. S'en bat les couilles. Et là tu gagnes. Et là tu gagnes. C'est parti pour le niveau 2. Allez, au revoir tout le monde, à bientôt. J'espère que cette vidéo sera plu. Bon allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Deux jeux, je pense que ça aurait été pas mal. J'ai pas mal ragé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. On fera d'autres jeux. Proposez-moi des jeux aussi. Des jeux indépendants, c'est bien aussi les jeux indépendants. Bon, certes, Farm Mario et Hexagone sont assez connus quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine fois, soin de vous. Et bye tout le monde, tchou.